Ils étaient 13 000 Gramoun ce dimanche 29 octobre à s'être rendus à Saint-Pierre à l'occasion de la journée départementale des personnes âgées. Un rendez-vous annuel qui met à l'honneur les seniors. Comment faire en sorte que toutes les politiques publiques, celles qui sont menées par les communes, les centres d'action communaux et sociaux, celles qui sont menées par le département, les intercours, les régions, nous puissions être optimisées, mutualisées pour apporter les meilleures réponses aux gens que nous aimons, c'est-à-dire nos anciens. Parce que nous allons nous-mêmes devenir demain et après-demain des anciens. Et c'est vrai qu'ils ont absolument besoin, j'ai envie de dire, de fermer les yeux demain dans les bonnes conditions. Il faut une journée dans l'année pour mettre ces Gramoun en valeur, même si ça n'est pas suffisant. On le fait toujours après la semaine bleue. Pendant la semaine bleue, on visite donc les personnes âgées en EHPAD et les personnes ensuite qui peuvent se déplacer viennent à cette journée. Et je pense que c'est un franc succès aujourd'hui. La journée a débuté par une messe, puis les seniors ont pu profiter de divers ateliers tels que des stands d'information sur les dispositifs d'aide aux personnes âgées, mais aussi des ateliers de bien-être. Nous présentons donc les activités de l'ORIAPA et spécialement pour cette journée, nous apportons un peu de plus de bien-être aux personnes âgées sous la forme de, comme c'est écrit là, de la tête aux pieds, toi elle est jolie, donc de la réflexologie. Du massage facial, de l'esthétique, de la socio-esthétique, du maquillage et de l'onglerie, on va dire ça, de la manucure. Une très bonne initiative et c'est à renouveler. On se fait chouchouter de la tête aux pieds. Voilà, et c'est très agréable, c'est très bien. L'ambiance était au rendez-vous, une journée festive et conviviale qui a permis au Gramoun de se retrouver. Madame. Ah ben tous les vieux les réunis. Ben nous là pour boire et manger, nous venons de notre club de 3e âge. Et comme on a rencontré un ami là, ça fait au moins 24 ans qu'on n'a pas vu. C'est pour les personnes âgées, toutes les personnes âgées qui sont là, et pour passer une bonne journée. Décentralisée à Saint-Pierre pour la première fois, cette édition 2017 de la journée départementale des personnes âgées a été une réussite.